Bonsoir à tous. Je viens faire ce live pour témoigner de la souffrance que subissent les femmes gabonaises qui ont perdu leurs enfants. C'est dans la nuit du 31 août 2016 que plusieurs de nos fils, de nos filles, de nos petits frères, de nos aînés, de nos pères, de nos mères, de nos sœurs sont tombés. Cette nuit représente une nuit de douleur pour nous. Nous n'avons aucune joie. Nous n'avons que douleur et souffrance depuis le 31 août 2016. Et depuis lors, nous n'avons pas de paix. Nous n'avons aucune consolation. Nous n'avons que douleur, souffrance, pleurs, stress. Et aujourd'hui, au Trocadéro, nous avons cette commémoration. Nous avons des compatriotes qui sont en train de manifester la douleur que ressent le peuple, ceux du peuple. Ils manifestent tout justement leur marque d'amour vis-à-vis de ces personnes-là qui sont tombées. Parce que elles ont dit non à un système parce qu'elles aspiraient à la liberté, à l'alternance et parce qu'elles voulaient défendre leur vote. Donc, ces résistants gabonais sont sur la place des droits de l'homme, au Trocadéro. Je vais y aller, j'y serai. Si je ne suis pas allée très tôt parce que j'avais des choses à faire, voilà, j'ai préféré faire cette petite vidéo pour montrer que je partage tout justement cette douleur-là avec mes sœurs qui ont perdu leur fils. Je suis avec elles et plusieurs résistantes sont avec vous. Nous avons toujours mal. Nous sommes toujours debout, nous n'allons pas lâcher, parce que nous voulons que justice soit rendue, que justice soit faite pour nos fils, pour nos martyrs. Et nous voulons dire que nous ne les avons pas oubliés, nous les aimons, et nous les aimerons toujours. Ils sont morts pour notre liberté, nous ne pouvons pas les oublier. Donc, je remercie tout le peuple qui s'est élevé à travers le monde, tous les Gabonais, les prix de justice, qui ont marqué de leur fibre patriotique en célébrant, en commémorant, en célébrant cette souffrance, cette douleur, en invitant tout le reste du peuple, en témoignant de leur amour, de leur attachement vis-à-vis de ces disparus, vis-à-vis de ces martyrs. Ils ont célébré le courage de ces fils tombés, la bravoure de ces personnes qui nous sont chères et qui nous ont été arrachées, qui ont été massacrées lâchement. Je remercie tous ces Gabonais qui se sont levés, peu importe la manière, qu'ils aillent à l'église, qu'ils fassent quoi, mais qui ont marqué leur amour, leur attachement, le respect vis-à-vis de ces personnes tombées au QG de Jean-Pin, le 31 août 2016. Non seulement au QG, mais dans les rues de Libreville, dans les quartiers de Libreville, à Port-Gentil, à Ouyem et dans tout le Gabon. Donc je remercie toutes ces personnes-là qui ont fait un geste
en leur mémoire. Et cela, c'est l'amour. Merci beaucoup, parce que plusieurs parmi nous ont montré l'attachement qu'ils ont par rapport à ce Gabon, qu'ils ont par rapport à leur patrie. Je crois que nous y arriverons. Parce que lorsqu'on arrive à honorer un mort, quelqu'un qui est mort pour une bonne cause, quelqu'un qui est mort parce qu'il s'est levé pour revendiquer ce qui lui revient de droit, lorsqu'on l'honore, c'est qu'on est un homme juste et honnête qui sait respecter la vie de l'autre, le choix de l'autre, qui sait respecter le geste de l'autre, l'acte qu'il a posé, qu'il a amené à la mort, qui sait respecter cette personne partie sans vouloir partir, sans vouloir nous laisser, mais elles sont parties. Leurs vies ont été arrachées. Cela est injuste, ce qui s'est passé. Merci à tous ceux-là qui ont considéré, qui ont respecté leur mort. Ce sang qui crie chaque jour, vengeance. Ces actes qui ont été posés pour briser nos cœurs, ces actes barbares qui ont été perpétrés par les gouvernants, qui sont là par force, par les armes qui ont pris le pouvoir. Sincèrement, nous sommes peut-être fatigués, nous sommes écœurés, ahuris, désespérés, délaissés à notre sort. Le peuple gabonais est abandonné à lui-même. Mais je dis, peu importe le temps, peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Le sang de nos enfants n'a pas coulé en vain. Nous devons continuer le combat sans regarder le nombre que nous sommes. Nous devons continuer notre combat en regardant à ceux-là qui sont tombés. Nous devons continuer notre combat en les honorant, parce que ceux qui sont tombés ne sont pas tombés en vain. Nous devons avancer pour faire ce qu'elles n'ont pas pu achever. Elles se sont levées, elles se sont manifestées. Elles n'ont tué personne, elles étaient dans leurs droits. Elles avaient le devoir de revendiquer leur vote pour certains. Mais il y en a qui n'ont même pas revendiqué de vote, mais d'autres ont injustement été tués à cause de l'abus de pouvoir que celui qui est à la tête de ce pays a. Donc, nous avons le devoir d'aller de l'avant. Nous avons le devoir de continuer notre combat. Nous avons le devoir de penser à elle. Nous avons le devoir de prendre plus de courage. Nous avons le devoir de prendre plus de force, de nous armer de force et de courage. Nous devons nous indigner face à tout ce qui s'est passé. Nous relever, marcher main dans la main. Penser à l'avenir de nos enfants. Penser à l'avenir de nos fils, de nos petits. Nous devons bâtir un Gabon nouveau. Nous devons bâtir un Gabon nouveau. Ce Gabon a été sali. Le fils, nos fils, le sang de nos fils. Le sang de nos fils crie vengeance et ce sang est écoulé injustement. Nous avons le devoir de nous battre pour que leur mémoire ne soit pas trahie. Nous ne devons pas trahir la mémoire de nos enfants tombés sous les balles du mercenaire. Nous avons le devoir de rester ferme. Nous avons le devoir de rester debout. Nulle dictature au monde ne reste éternelle. Nous n'avons vu aucune dictature qui a fait des siècles et des siècles sans tomber. Cette dictature tombera parce qu'il a fait couler le sang de nos enfants. Nous disons, cette dictature tombera parce qu'il a fait couler le sang de nos fils. Cette dictature doit tomber. Nous avons le devoir, l'obligation de rester debout
Même avec des larmes, même en rampant, nous ne devons pas lâcher. On pousse, on serre, mais on ne lâche rien. Nous devons chasser ce type avec ses amis. Aujourd'hui, cette nuit, c'est une nuit de douleur, de souffrance pour les familles gabonaises endeuillées. Cette nuit, c'est une nuit des larmes, c'est une nuit des pleurs, des cris, d'insomnie. C'est à partir de cette nuit que plusieurs de nous ont commencé à attendre en vain sans que leur fils ne rentre à la maison. Cette nuit, c'est une nuit de souffrance. Les regards sont fatigués, les oreilles, l'entendement fatigué. Tu es assise, tu te dis, mon enfant rentre à quel moment? Où est-il? Que se passe-t-il? Il était au QG de Jean-Pin. Tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu appelles. Le téléphone, il est fermé. Tu ne sais où le joindre. Cette nuit est la nuit la plus longue que plusieurs parmi nous ont connue. Cette nuit est la nuit la plus longue. Cette nuit est la nuit la plus terrible. Cette nuit, c'est l'enfer. Cette nuit, elle est aussi horrible, difficile. La nuit des 31, nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne devons pas l'oublier. Nous devons renforcer notre énergie en pensant à cette nuit, nous dire, nous devons rester unis. Plusieurs frères sont restés sans avoir des nouvelles de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs pères. Où sont-ils passés? Plusieurs pères sont restés sans nouvelles de leurs fils. Où est-il passé? C'est la nuit la plus horrible. Certains ont eu des coups de fil. Ils entendaient au bout du fil des coups de feu, des cris, des grands cris. Voyez-vous, nous avons souffert. Et parce que nous avons souffert, nous devons rester unis. Nous devons rester debout. Nous devons rappeler cette nuit à tout le monde. Nous devons rappeler cette nuit. Nous devons la rappeler aux yeux de tous. Nous devons rappeler cette nuit à tous. Cette nuit restera pour nous éternelle jusqu'à la fin du monde. La nuit du 31 août est une nuit. La date du 31 août est une date éternelle pour nous jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à la fin du monde. La nuit du 31 août ne sera jamais oubliée. C'est une date inoubliable pour nous. La nuit des grandes souffrances, la nuit des crimes, la nuit des viols, la nuit des enlèvements, la nuit des séquestrations, la nuit des enlèvements, la nuit des massacres, la nuit où le système Bongo a écrasé le peuple qui est souverain, le peuple qui a fait son choix. A été maltraité, a été jeté en prison, a été humilié, craché dessus. Donc, pour nous, la nuit du 31 août, le 31 août est pour nous une horreur. Et nous ne devons pas l'oublier. Nous devons le crier, nous devons le dire tout le temps, nous devons le rappeler à ceux-là qui gèrent notre pays, à ceux-là qui soutiennent celui-là qui gère le pays. Nous devons le leur rappeler. Nous en avons les moyens. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour soutenir mes sœurs, pour soutenir celles qui pleurent comme moi, pour soutenir toutes celles qui souffrent, qui ont mal, celles qui ont perdu leurs enfants, celles-là qui ont perdu leurs frères, ceux-là qui ont perdu leurs fils et filles, leurs petits frères ou leurs grands frères. Ceux-là qui ont perdu un membre de leur famille. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour rappeler à ceux-là qui ont fait du mal à mon peuple, aux fils de mon peuple, que nous n'avons pas oublié. Et nous n'oublierons jamais. Parce que c'est une grande blessure. Cette blessure, elle est très profonde. Même si elle se cicatrise, cette cicatrice, elle est très grande. Parce que la cicatrice nous rappelle que nous avons eu une blessure. Et lorsqu'on regarde la cicatrice, nous nous rappelons que nos fils sont tombés le 31 août 2016 sous les balles d'Ali Bongo.
C'est ça la vérité. N'allons jamais l'oublier. C'est ça mon message. Où sont passés les corps de nos enfants? Nos enfants sont-ils des chiens? Nos enfants ont-ils volé? Nos enfants ont-ils détruit quelque chose? Nos enfants n'ont-ils pas voté? N'est-ce pas toi, Ali Bongo, qui avais organisé des élections? N'est-ce pas toi qui avais forcé les élections? N'est-ce pas toi qui n'étais pas présidentiel qui allait te présenter? N'est-ce pas toi qui as 4 actes de naissance? Est-ce que ce n'est pas toi, Ali Bongo? Ne sais-tu pas que tu ne devais pas te présenter? Donc tu avais fait tout ça parce que tu voulais tout simplement sacrifier nos enfants. Parce que pour vous, tous les moyens sont bons pour faire couler le sang. N'est-ce pas toi, Ali Bongo? N'est-ce pas toi qui en es l'auteur de ces crimes? Toi et tes collabos, n'est-ce pas toi qui as donné l'ordre de tirer sur nos enfants? N'est-ce pas toi qui a organisé ces massacres, ces emprisonnements arbitraires? N'est-ce pas toi? Qu'est-ce que le peuple gabonais a fait, Ali Bongo? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Si tu es un démocrate, est-ce que tu avais droit d'aller tuer des gens, des personnes, aux mains nues dans un QG? Ils sont dans le QG, mais tu viens, tu les tues. Comment veux-tu que nous, on puisse revenir vers toi? Nous ne pouvons pas revenir vers toi parce que ta cruauté a été extrême. C'était trop difficile. Et c'est encore difficile. Parce que nous, les mamans, nous n'acceptons pas. Parce que nous, les frères et sœurs, nous, les papas, nous n'acceptons pas ce que tu as fait à nos enfants. Tu nous as humiliés. Tu as arraché la vie de nos enfants à notre affection. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Tu as montré à suffisance que tu es un raïs. Il fallait tout simplement te nommer directement, dire tu es président à vie. Tu changeais les textes et puis il n'y a pas organisé des élections. Tu pouvais le faire puisque tu fais tout ce que tu veux. Pourquoi faire croire au peuple gabonais que c'est un peuple de démocrates? Pourquoi faire croire que le Gabon est une démocratie? Mais de qui se moque-t-on? Tu as fait ça parce que tu voulais simplement offrir le sang de nos enfants à tes dieux. Vous organisez les élections, vous les truquez et vous massacrez. Tu massacres. Puisque Mourantou est là, elle pouvait venir, elle dit que c'est toi le vainqueur de tout, que d'organiser des élections. Pourquoi toute cette mascarade? Arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour des moins que rien. Arrêtez de nous prendre pour des esclaves. Nous ne pouvons plus. Oh, la douleur est grande. Nous ne pouvons plus. Nous les vrais Gabonaises, nous ne pouvons plus te soutenir. Comment je peux soutenir un homme qui a tué mon fils? Comment je peux être derrière un homme qui a tué ma fille? Comment je peux soutenir un homme qui a fait dépecer mon fils? Comment je peux soutenir un homme qui m'a enlevé du travail? Qui a enlevé mon frère du travail? Comment je peux le soutenir? Non, plusieurs ne peuvent plus soutenir. Nous n'en pouvons plus. Nous ne voulons plus. Nous disons non, non et non au système. Nous t'avons honni, nous t'avons honni, nous t'avons vomi. Nous disons non, non, non au système. Dieu seul sait que ce que je dis est vrai. Nous sommes le peuple gabonais. Les gens que tu vois là, qui sont dans les maisons, peut-être qu'ils n'arrivent plus à sortir parce que tu réprimes le peuple, tu tues. Mais ce peuple-là dit non, non, non à Ali Bongo, non. Ce peuple que tu vois là calme, dans des taudis ou dans des belles villas, plusieurs parmi eux disent, Ali Bongo, non, 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 nous ne voulons plus de toi. Il n'y a rien de tel de gérer un peuple qui ne t'aime pas. Mais quel malheur! Il n'y a rien de tel de se mettre devant un peuple que tu gères avec des armes. Quel malheur! On gère un peuple avec amour.
Quand vas-tu le comprendre? Quand vas-tu le comprendre? Tu as fait un dialogue, nous avons dit non, 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 pas de dialogue. Eye Ali Bongo, non, 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 pas de dialogue. Oh. Nous t'avons dit non. Comment tu peux nous faire dialoguer? Comment tu peux nous inviter? Nous qui souffrons, nous qui avons perdu nos enfants, nous qui pleurons nos enfants, tu ne nous as pas rendu les corps de nos enfants. Jusque là où sont passés les corps de nos enfants, il y a des charniers. Est-ce que nous avons dit que nous ne voulons plus de nos enfants? Non, 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 nous les aimons. C'est la nuit du 31 août 2016. La nuit du malheur. La nuit où nous avons perdu nos beaux enfants. Et nul ne nous empêchera d'exprimer notre douleur. Et nul ne nous empêchera d'exprimer notre souffrance. Vous avez pris mon beau. Vous l'avez amené, vous l'avez déjà jeté en prison. Ce n'est pas parce que vous avez pris mon beau que ça veut dire que nous allons arrêter. Non, non, non plus de bongo. Ce n'est pas la prison qui va nous empêcher de résister. Ce n'est pas tes condamnations qui vont nous empêcher de dénoncer. Non, le peuple gabonais ne t'aime plus. Ce n'est pas parce que tu vois ce calme. Ce calme, comment pourrais-je le qualifier, ce calme apparent, ce calme, comment pourrais-je le qualifier? C'est pas parce que tu vois ce semblant de calme. Au fond de leur cœur, ça bouillonne de colère contre Ali Bongo et complice. Méfie-toi de ce peuple, de ce petit peuple. Dieu fera quelque chose. Le peuple gabonais, j'ai dit, est comme le vent. Le vent, il souffle, hein, mais toi, tu ne sais pas où il va, ni où il va s'arrêter. C'est ça le peuple souverain. Et cette nuit, la nuit du 31, c'est la nuit de souffrance, la nuit la plus longue, la nuit la plus horrible. Et nous n'allons pas oublier. Et nous allons nous assurer que nos messages sont donnés. Nous allons nous rassurer que tu les as reçus. Nous allons nous rassurer qu'il faut toujours parler. Nous allons toujours parler. C'est notre devoir de parler. Nous allons te traumatiser. Nous allons toujours parler. Nous allons avancer en te parlant, te disant non, non, non plus de bongo. C'est la nuit du 31 août. C'est la nuit de nos souffrances. C'est la nuit où tu as déchiré nos cœurs. La nuit où tu as tué nos enfants. Où tu as brisé l'avenir, où tu as brisé nos rêves. Parce que nos enfants, c'était nos rêves. Parce que nous avons envoyé nos enfants pour apprendre et demain nous remplacer valablement. Mais toi, tu as arraché notre rêve. Tu as arraché la vie de nos enfants. Et nous disons, non, non, non plus de bongo. Tu peux te moquer de nos lives. Tu peux te moquer de nos cris. Tu peux te moquer de nos vidéos. Nous ne faisions pas des vidéos avant, nous ne nous exprimions pas avant, mais cette fois-ci, nous disons non, non, non plus de bongo. Tu ne connais pas ce peuple que tu es en train de piétiner. Ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Ce peuple-là a la force de Dieu. Et au temps convenable, ce peuple-là te mettra à la porte. Et nous disons non, non, non plus de bongo. Les gens qui ont perdu leurs enfants, elles crient de douleur, elles se tortillent. Elles ont l'insomnie depuis une année. Plusieurs n'ont pas vu leurs beaux-fils, leurs jolis enfants revenir parce que leurs vies ont été arrachées sous les balles d'Ali Bongo. Ces femmes qui pleurent disent au fond de leur cœur, et je parle en ce moment en leur nom en disant non, non, non plus de Bongo. Que vengeance soit faite parce que le sang de nos enfants crie justice, vengeance. Et nous pleurons aujourd'hui. Nous venons rappeler en faisant des lives, Ali Bongo et Collabo, nous voulons plus de vous. C'en est assez. Prenez vos bagages et partez. Ce n'est pas parce que vous emprisonnez nos frères. Ce n'est pas parce que vous emprisonnez nos pères. Ce n'est pas parce que vous emprisonnez nos maris. Ce n'est pas parce que vous emprisonnez les personnes que nous allons arrêter. Nous disons non, non, non plus de Bongo. Nous ne voulons plus de Bongo. Plus de bongo, nous ne voulons plus de bongo. Non, 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 plus de bongo.
La femme gabonaise pleure, oh, nous crions, oh, nous disons, oh, nous ne voulons plus de bongo, nous ne voulons plus de bongo, nous ne voulons plus de bongo, bongo a tué nos enfants, oh, nous ne voulons plus de bongo, nous ne voulons plus de bongo, nous ne voulons plus de bongo. Nous ne voulons plus de bongo. Non, non. C'est cela, le cri de nos cœurs, notre souffrance, nous disons. Nous ne voulons plus des bongos. Nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous n'avons pas un autre message, si ce n'est bongo. Aka, c'est trop. 50 ans. Faut prendre tes bagages, pars. Tu as tué nos enfants. Tu as enterré nos enfants comme des chiens, comme des bêtes, comme des personnes, comme des SDF, comme des personnes sans famille. Et que ne vois-tu pas que tu nous as vraiment humiliés? Ne vois-tu pas que tu as trop fait? C'est trop de souffrance, trop de douleur que tu nous fais vivre. Pas. Nous allons continuer de dire, allez bon, pas. Paro, ceux qui me suivent ou qui me suivront, nous avons le devoir de rester debout. Nous ne devons plus reculer. Tous les moyens sont bons pour chasser Ali et ses gens. Tous les moyens sont bons pour résister. Je ne peux pas dire, voilà, il faut aller casser là-bas. Non, c'est à vous. C'est à chacun d'entre nous. Nous sommes les maillons d'une chaîne. Cette chaîne, c'est la résistance. Chacun a le devoir. Ce qu'il peut faire, il fait. Pour rendre le cœur de Bongo et de ses amis aussi, malheureux comme les nôtres. Nous pleurons chaque jour, nos enfants. Chers enfants, vous qui êtes debout, chers résistants, que chacun fasse ce qu'il a fait. On ne peut pas montrer à la poule comment picorer. Non, la poule elle-même sait comment picorer. Vous, jeunes, vous savez ce que vous devez faire. Ce n'est pas la peine de dire, oh, les grands, les opposants, nous ont dit, laissez les politiques dans leur coin là-bas. Laissez-les. Mais la nouvelle génération, vous qui êtes pris de justice, vous qui avez perdu des personnes, des parents, des membres de vos familles, vous avez le devoir de vous lever et de faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Parce qu'on n'apprend pas à la poule, on n'apprend même pas à la poule à caqueter. Non. On ne le lui apprend pas. C'est inné. On n'apprend pas. On ne monte pas. Voilà, oh, poule, les grains sont là-bas. Va picorer. Non. La poule elle-même reconnaît que ça, c'est des grains. Allez, elle va. Et puis, elle picore. Comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que, oh, on ne nous finance pas. Il n'y a pas de financement pour la résistance. Vous savez, nous sommes en train d'apprendre cette résistance. Ne vous découragez pas, cher fils, cher petit frère, cher aîné, ou chère sœur, ou chère fille, vous qui êtes debout. Ce n'est pas le moment de se décourager. Non, nous avons dit plus de bon goût. Le sang de vos frères doit être vengé. Restez, gardez la flamme de la résistance allumée. Cette nuit doit vous amener, doit amener chacun d'entre nous à réfléchir sur les actions à venir. D'accord? Sur des actions à venir. Moi, quand je vais poser mes actes, je n'aurai plus besoin de venir dire au live, au machin, venez à tel endroit. Non. Je passe, je fais ce que j'ai à faire. Comme Enengo a dit, oh, voilà, on l'a insulté, on l'a tapé. Moi, si je dis que je tape Enengo, je le frappe. Je le bastonne. Si je dis que je vais l'insulter, je l'insulte. Donc, je n'aurais même pas besoin de dire, écoutez, je m'en vais maintenant taper Inoué. Non. Il va voir ce que j'avais vu en Zion. Donc, ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est vraiment pas du tout le moment. Excusez-moi d'être longue, mais c'est la souffrance que nous avons. C'est la souffrance et la douleur qui est en moi. Donc, je vais devoir aller rejoindre la résistance qui est en ce moment Trocadéro, et puis après on va continuer dans les jardins du Ranlag, je crois jusqu'à 5 heures du matin, et voilà,
La souffrance, elle est là. La douleur, elle est là. Je n'ai qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul pays, et ce pays s'appelle le Gabon. On ne peut pas changer de pays, vous savez. Même si vous êtes binationaux, même si on dit, voilà, il y a des Français ou il y a des Anglais, il y a ceci. Mais on demeure d'abord Gabonais. Donc je n'ai qu'un seul pays. Autant que nous sommes, nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Gabon. Et nous avons le devoir de le défendre. Nous avons le devoir de le défendre. Donc que Dieu veille sur nous, que nous mettions notre confiance au Seigneur et il agira. Qu'on ne promène pas des regards inquiets, qu'on puisse remettre nos cœurs, notre souffrance à Dieu. Qu'on remette notre souffrance à Dieu. Et Dieu fera le reste. C'est Dieu qui nous donne le courage de rester debout. Parce que nous sommes des David et le système Bongo. Et avec ces acolytes-là, eux, c'est le Goliath. Donc, c'est la parole que j'ai en moi, que je garde jalousement. C'est ce qui me fait rester debout, au-delà de la souffrance que j'ai en moi, en tant que maman. Donc, j'exhorte mes sœurs à rester debout. Celles qui ont perdu des enfants, je sais que ça fait très mal. Je sais que ça fait très mal, ça fait très mal. Nous avons le devoir de rester debout. Nous avons le devoir d'aller de l'avant pour venger le sang de nos enfants. Donc, c'est un peu ça. Tu es ma vie. Oh Jésus, tu es ma vie. Moi, je t'appartiens. Oh. Tu es ma vie et je t'appartiens, oh. Je n'ai que le Gabon, oui, c'est mon seul pays, oh. Je n'ai que le Gabon, oui, c'est mon seul pays, oh. Je n'ai que le Gabon, oui, c'est mon seul pays, oh. Je n'ai que le Gabon, c'est mon vrai pays, oh. Je n'ai que le Gabon, ouais, c'est mon seul pays, oh. C'est le cri de mon cœur, sont mes larmes. Je n'ai qu'un seul pays, un seul Gabon. C'est grâce à Jésus que je l'ai. Je suis né là. Et je mourrai peut-être là. Et je mourrai peut-être que pour lui. Comme nos fils sont tombés. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que le Gabon sera libre. Pas de découragement. Salutations à tous les résistants qui sont restés connectés. Bonsoir Rachel Abemey. Bonsoir Minette Obam. Bonsoir à Nina Is Nchango. Et bonsoir à tous les résistants qui suivront cette vidéo. Salutations à tous. Et que l'on puisse honorer la mémoire de nos fils tombés sous les balles d'Ali Bongo. Honorons-les en restant debout, en restant fermes, unis. Nous allons vaincre le mal. Nous allons l'enrayer du Gabon, in mighty name of Jesus. Allez, à bientôt. Moi, je vais partir. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Combat continue.